Genre, imaginons, ils jettent sur l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Maintenant, les trois continents, ils seront. Il n'y en a plus. Dans l'Asie aussi, ils vont manger. Mais il y aura dans l'air. Dans l'air, il y aura. Mais t'as raison. Qu'est-ce que tu veux, même, quoi? À un moment, la science, au lieu de faire quelque chose pour que, faire que le monde aille mieux et tout, ils sont juste penchés sur un truc pour détruire en fait la vie sur Terre, quoi. Ce qui m'a marqué, en fait, c'est la puissance de cette bombe, tout d'abord, parce que, voilà, elle peut détruire des vies en un instant. C'est comme si j'étais dans la rue et puis tout d'un coup je meurs, je disparais, voilà. C'est les enfants, parce qu'ils n'avaient rien fait, eux. Ils n'avaient pas à être dans l'histoire et à être confrontés à ce genre de situation qui les a tués. Ce qui m'a aussi marqué, c'est que, en fait, il y a des symptômes, des maladies, des choses qui sont. Allez, qu'on ne connaît pas les causes, qu'on ne sait pas guérir, qu'on ne sait pas soigner. Et je trouve ça très grave parce que, allez, vivre une vie avec une maladie, que c'est pénible, on souffre et tout ça, donc je trouve ça, allez, pas facile. Qui tue des gens pour rien, ils brûlent des gens, des enfants. Des mamans enceintes. Et j'ai trouvé que c'était triste vu que ça tuait beaucoup, mais vraiment beaucoup d'innocents. Ils ont fait ça juste pour que les Japonais capitulent, alors qu'ils auraient pu faire ça sans avoir besoin de la bombe nucléaire. Ils se sont pas dit si ça pourrait être leur enfant encore. Pour moi, normalement, ils n'auraient pas dû utiliser la science pour créer ce genre de truc. Ben, je pense que ce genre de science est monstrueux vu que. Ça détruit l'être humain et voilà. Et ouais. Ça sert à strictement à rien. Pour moi, la science, c'est. Ils ont fait quelque chose de mal. Au lieu d'arranger à faire que la Terre devienne mieux, avoir plus de choses mieux, mais eux, ils inventent des choses pour casser la Terre. Moi, honnêtement, personnellement, je pense pas que ça faut de la science, mais de ce qu'on en fait. Moi, j'ai envie de dire. C'est quand même incroyable, l'homme, comme il peut faire aller des belles choses, faire des choses qui peuvent soigner, qui peuvent rendre la vie plus facile et tout ça. Comme en même temps, parallèlement, il peut faire des choses horribles, tuer, aller faire du mal. On aurait pu utiliser la science pour, au moins aider le monde à mieux évoluer que d'essayer de le détruire. Pour moi, la science devrait servir à aider des personnes, aider la Terre à devenir mieux. Aider le peuple à faire plus de choses, l'économique, des trucs comme ça. C'est aller être dans un monde, je sais que c'est un peu idéaliste vu que voilà, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des guerres. C'est pas quelque chose qui sera facile à régler, mais aller plus à aider le quotidien de l'homme et surtout aller faire que plus ou moins on soit plus ou moins heureux. Ok, on peut pas être totalement heureux, mais aller vivre dans une vie heureuse, être plus ou moins content, faire du bien. Moi je pense que c'est à ça que ça doit servir la science. Thank you.